Et ben salut les amis. Salut les amis. Bienvenue pour ce nouvel épisode de peinture. Donc c'est le sixième épisode sur le métal, encore une fois. Et aujourd'hui, on va vous présenter donc une nouvelle page Facebook. Il s'agit de la page du pain et des jeux. Donc toi, tu connaissais hein, déjà. Ouais. Sympa. Qui a été, il me semble, créé par Grégory, le monsieur qu'on voit là sur la vidéo, qui est très moche d'ailleurs, ouais. Vraiment très moche. Franchement, faut faire quelque chose. J'aurais bien avoir la même barbe. Ouais. Ah ouais. J'y suis presque. Ouais, ça progresse. Donc sur cette page Facebook, vous retrouvez un petit peu de tout. Il y a des tutos. Ils font surtout des lives qui est assez sympa si vous voulez peindre et écouter des gens peindre et discuter en même temps. Et en fait, ils proposent ça avec plusieurs niveaux de peinture puisqu'ils sont plusieurs en fait dans cette on va dire cette petite association. Et du coup, ben, à chaque fois, vous avez différents levels et différents types de peinture. Des fois, même pour la même figurine, donc ça, c'est cool. Ça permet de bien partager avec des nouveaux, des anciens. C'est clair. Comme ça, chacun voit un peu au niveau où il veut aller et tout ça. Puis il y a aussi des news un petit peu plus sur... que Grégory met sur sa page, il partage et tout ça. Et donc, il y a le lien du site internet, dupainetdesjeux.fr, parce qu'ils sont, taqués, ils font même des sites et tout. Faut qu'on prenne de la graine, qu'on fasse des sites aussi. Ils sont chauds patates. Ah, de ouf. Mais ça fait plaisir. Ouais. Ça fait vachement plaisir. Donc, il y a plein de choses à voir. Donc, donc merci à eux. Et puis, maintenant, on va lancer l'épisode du métal, épisode numéro 2. Voilà, à tout de suite. Bonne vidéo. Alors, bonjour à tous. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, c'est la deuxième partie sur le métal. Donc je vais commencer par utiliser du bleu marine foncé pour venir en fait reprendre toutes les transitions qui sont sur le bas de la figurine. En fait l'idée ça va être d'essayer de faire correspondre un peu les couleurs de transition qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire que tout ce qui est proche du jean ici on va utiliser du bleu. Essayer d'utiliser un petit peu de chair et de violet en fait à proximité dans cette zone là. Ici on peut rester sur une zone un peu neutre puisqu'elle est assez éloignée et à nouveau en fait un peu de chair, tout ce qui est proche évidemment du visage et de son torse. Voilà, donc là on commence par le bas. Donc pour ça j'utilise du bleu marine foncé de Valero. L'idée c'est de bien le diluer. En fait on va y aller par petites touches, par étapes. Donc pour éviter de trop marquer notre métal dès le départ, on va bien le diluer. Pour vous donner une idée, hop. Sur mon pouce, vous voyez, c'est vraiment, vraiment un jus très léger quoi. Et donc bah, le but ça va être de progressivement gommer tous les petits défauts et venir aussi teinter un peu notre métal pour rappeler l'idée qu'il y a du reflet en fait, qui reflète un peu ce qu'il y a aux alentours. Donc c'est pas forcément très compliqué, il faut prendre son temps évidemment, y aller par petites étapes et puis peut-être ce qui est le plus difficile dans ces... encore une fois dans le métal, c'est de choisir comment positionner les reflets et que tout soit bien lié les uns avec les autres, puisque comme on doit avoir un bon contraste, il faut que... Enfin, on est très vite amené à avoir des grosses cassures et avoir des coups de pinceau sur la figurine si on n'est pas, si on n'arrive pas à nettoyer ça correctement. Vous voyez, donc ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est très léger. Ce qui est important par contre, c'est de bien éviter que ça fasse des auréoles en fait. Donc pour ça, on va prendre vraiment très peu de peinture. Le but, c'est non seulement que ce soit bien liquide, mais surtout de ne pas en avoir beaucoup sur le pinceau pour éviter de que ça aille partout, que ça se balade là où on ne veut pas. Puisque comme la peinture est très liquide, elle va avoir tendance à faire un petit peu ce qu'elle veut. Donc quand vous voyez sur votre. Oula, je tiens un petit coup. Quand vous voyez que sur votre figurine ça marque pas suffisamment, il faut pas hésiter petit à petit à prendre un petit peu plus de pigments. Aller taper dans la zone où il y a plus de pigments pour davantage marquer en fait la zone qui vous intéresse en transition quoi. Donc là c'est ce que je fais, en fait je commence avec peu de peinture et puis au fur et à mesure si besoin bah, je vais en rajouter de la peinture. Histoire de marquer comme je le souhaite. Voilà un petit peu ce que ça commence à donner déjà. Ici je vais me permettre d'insister un petit peu plus. Alors quand vous voyez par exemple cette zone extérieure ici de bon moment que je suis en train de peindre, c'est pas forcément logique de venir avec de la peinture bleue parce que
Techniquement, elle reflète pas le jean, puisqu'elle est tournée vers l'extérieur. Mais en fait, c'est plus une question de mise en scène que de logique. L'idée, tant que tout se fonde correctement, quoi, que ce soit agréable pour l'œil. Donc même si effectivement ça, c'est pas du tout ce qu'on est censé faire, et ben ça marche assez bien. Ça donne un résultat assez joli. Donc là, je continue vraiment sur la pointe du boomerang parce qu'elle est assez assez sombre techniquement. En tout cas, j'ai décidé de la faire un peu sombre. Donc j'ai pris du bleu marine foncé, mais vous pouvez prendre à peu près toutes les couleurs que vous voulez. Simplement, ce qui est assez sympa, c'est d'essayer de trouver une couleur qui corresponde à peu près à la valeur de lumière de votre métal. Je m'explique, par exemple, si là, étant donné que je suis vraiment dans des zones assez basses de la figurine, c'est bien de prendre un bleu assez sombre, parce que l'idée, c'est quand même de que notre métal dans l'ensemble va être plus sombre, alors que au-dessus il va être plus clair. Donc je vais venir avec des trucs un peu plus clairs, tout simplement. Et donc il faut adapter à la fois la couleur, mais essayer d'adapter aussi la valeur, quoi. Alors là, après, ce que je fais, ça peut peut-être vous paraître un peu laborieux ou un peu trop. Donc c'est pas du tout une étape obligatoire. Là, c'est vraiment des trucs perso. Si vous avez envie vraiment de pousser le truc ou pas, vous n'êtes pas obligé non plus d'ailleurs d'aller à ce niveau de comment dire de transition. L'important en fait étant surtout le contraste sur le métal, quoi. Là, c'est plus par par souci de mise en scène pour que ce soit plus joli, etc. Mais bon, je préfère tout vous montrer comme ça, au moins après vous faites les choix en fonction de ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est pas du tout une étape obligatoire. Donc là, je reviens avec du noir directement, assez dilué, et je replonge en fait vraiment les extrémités dans l'obscurité, histoire de bien provoquer le contraste tant voulu sur le métal. Donc vous voyez, hein, c'est juste, je reprends les bouts. Et comme pour le bleu, en fait, la peinture, elle est extrêmement diluée également. Histoire de que petit à petit je vois si ça marque trop, si ça marque pas assez. Parce que en plus déjà de tâtonner sur la figurine, des fois vous tâtonnez aussi avec la peinture, c'est-à-dire vous savez pas comment elle évolue, si elle marque beaucoup, si elle marque pas beaucoup. Donc l'idée, c'est aussi de venir tester la peinture, quoi. Voir comment elle se déplace, comment ça se passe, quoi. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir avec donc une peinture. En fait, c'est la peinture de chair intermédiaire que je me suis servi quand j'ai fait la peau, c'est-à-dire pour lier les couleurs. Et je vais m'en servir pour lier aussi mon métal. Donc là, je vais y aller encore plus mollo parce que c'est une peinture orange, donc très flashy, donc ça va complètement à l'opposition du bleu et tout ça. Donc il va vraiment falloir marquer très légèrement. Donc c'est pour ça que là, je la dilue pas mal. Je vais quand même mettre à côté une petite pointe de peinture non diluée au cas où, si ça marche, si ça marque pas assez, pardon, je vais venir le faire. Je vais venir rajouter des pigments. Et je peux aussi ajouter à côté un peu de gris, comme ça si jamais en fait ça marque trop à mon goût, si vraiment j'ai l'impression que ça fait un effet trop important, et eh bien je peux rajouter un peu de gris dans cette couleur, histoire que justement ça marque moins. Parce que forcément, c'est le gris qui domine sur le métal, donc plus vous allez en rajouter dedans, moins ça va se voir quand vous allez faire vos petits effets de transition et d'intermédiaire. Ce qui est assez compliqué aussi là-dessus, c'est qu'il faut réfléchir au placement de ces intermédiaires. Par exemple, là, comme c'est une couleur assez claire, il faut globalement que je peaufine sur certaines zones assez précises, quoi. Je peux pas venir avec cette couleur par exemple dans des zones trop sombres. Il faut que ce soit quand même sur des zones qui correspondent à ma couleur, sinon ça va faire des trucs un peu bizarres, encore une fois. Donc là, en fait, j'ai pas besoin de rajouter plus de pigments. De base, ça marque assez rapidement, comme vous pouvez le voir ici là.
Et après, en fait, sur ce travail qu'on est en train de faire, bah encore une fois, la seule limite, vraiment, c'est votre investissement perso, parce qu'on peut vraiment pousser les nuances qu'on va mettre dans notre métal de façon très très importante. On peut aller chercher tout un tas de couleurs. Je peux carrément essayer de reprendre un mélange qui correspond au bandeau que j'avais fait sur la nana précédemment. Donc il faudrait que je refasse le mélange, que je le reprenne, etc. Là je vais pas le faire parce que pour moi ça me paraît un peu trop. Mais pour une figurine de concours, ouais, faut pousser le truc au maximum, quoi. Faut essayer vraiment de reproduire un peu tout ce qu'il y a dans l'environnement. Il suffit pas de se contenter de faire des reflets et tout ça, quoi. Faut essayer quand même de. Donc là, je me permets, vous voyez, de rajouter un petit peu de couleur chair parce que ben il y a la main qui est pas loin. Donc ben elle est techniquement, elle vient quand même taper dans notre métal. Et donc donner un léger reflet, quoi. Donc bah, il faut que je vienne avec ma couleur de chair. Donc là j'ai gommé, on va dire, un certain nombre de lumières que j'avais posées précédemment en venant avec mon métal. Donc c'est pas grave du tout, faut pas flipper puisqu'on va pouvoir les reprendre assez rapidement. Là on a combien de temps? On est qu'à 9 minutes, c'est très bien, on a beaucoup de temps devant nous. Je vais pouvoir vous montrer, en fait j'ai envie à la fois de vous montrer comment pousser ces lumières et tout ça, mais j'ai envie aussi de vous montrer comment on va reprendre la lumière derrière, parce que c'est vrai que ça peut être un peu, ça peut être un peu déstabilisant ou un peu effrayant en se disant ah ouais mais putain j'ai réussi à faire mon truc et tout, puis derrière là je vais tout niquer avec des lumières, enfin avec des transitions pardon. Donc il faut toujours se dire deux choses, en gros c'est que d'une part si vous avez réussi une fois, vous réussirez à chaque fois. Ça c'est si vous avez compris ce que vous avez fait, ben, vous allez pouvoir le reproduire, il n'y a aucun problème. Donc il faut déjà pas flipper avec ça, et puis derrière ben, on voit aussi les techniques pour reprendre un peu ce qu'on a fait, quoi. Je vais continuer à venir avec mon bleu ici. Toujours dilué, toujours à reprendre les transitions et tout ça, histoire d'obtenir quelque chose de sympatoche. Je vais pousser le vis parce que vous voyez, je vais vraiment dans des zones qui sont très hautes, très éloignées du jean, et pourtant je viens quand même avec du bleu. Bah, c'est parce qu'en fait, comme c'est une miniature, il faut toujours tout exacerber. Anthony là, qui est en train de se verser hein. Un verre. Je vais aussi revenir avec un petit peu d'orange ici, là, dans ce métal. Hop, voilà, là vous verrez mieux. Je galère encore de temps en temps à reprendre toutes ces transitions et en même temps à bien bien filmer. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Je vous fais un peu bouger la figurine pour que vous puissiez voir un peu les couleurs et tout ça. Et ça prend quand même pas mal de temps, mais ça vaut le coup. Parce que ça donne vraiment des effets très sympas, quoi, sur la figurine. Je continue ici encore avec de la chair et je vais rajouter encore de la peau. Tac tac. Alors je vais faire une petite pause vite fait et je reviens. Alors donc comme on le disait, maintenant on va reprendre un peu tout ce qui est lumière. Donc je vais utiliser deux couleurs. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude, c'est l'ivoire os. Et je vais utiliser un peu de gris foncé aussi. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai les peintures dans la description, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par reprendre avec mon ivoire os, en fait, directement les lumières les plus fortes
parce que ça va me donner en fait... Enfin, c'est intéressant de placer les plus grosses lumières parce que ça te donne directement le repère pour, on va dire, pour tes ombres et tout ça. Si tu vas le plus loin possible et le plus bas possible, c'est-à-dire si tu as gardé tes ombres noires et que tu viens maintenant avec le blanc faire le plus haut, eh ben tu sais jusqu'où tu vas aller au maximum. Donc en fait, ça te donne une échelle de comment je vais placer ma lumière, jusqu'à où je dois aller avec mon blanc, est-ce que je dois marquer plus ou pas bien, etc. C'est beaucoup plus facile quand tu as placé toutes ces choses-là, quand tu as placé tes lumières maximales et tes lumières, enfin tes ombres maximales. Donc si vous galérez un peu, si vous avez des difficultés, bah c'est bien de venir dès le départ avec, avec son blanc et puis venir en fait reprendre toutes les lumières, notamment par exemple tout ce qui est lining, c'est assez simple à faire. On sait qu'on va venir avec une couleur assez claire, donc on peut déjà les placer, tout ça, ça donne un bon indicateur là-dessus. Vous voyez, par exemple, là je vois clairement que ça manque de lumière puisque le lining en dessous il ressort plus que la lame au-dessus, donc il faut pas que j'hésite à venir rajouter du blanc. Donc vous voyez, en fait on a l'impression que quasiment tout ce que j'ai fait en fait avec la chair, etc., tout a été gommé, mais c'est encore une fois, c'est pas le cas en fait. Quand on va se pencher dessus, quand on va regarder de près, quand on va s'attarder sur la figurine, même de loin, on va ressentir quelque chose de plus enrichi que si on s'était contenté de faire du noir, du blanc, etc. C'est des effets qui sont encore une fois agréables à l'œil, comme je le dis souvent, même si vous voyez pas les choses, votre œil lui se trompe pas, il sait en fait quand il y a des trucs intéressants sur une figurine. Donc du coup, je vous encourage à le faire si... du moins si vous voulez vraiment pousser, faire des figurines de... Même pas forcément de concours, mais si ça vous éclate, quoi, si vous voulez avoir des belles figues sur la table et tout ça, bah c'est intéressant d'apprendre à faire ces choses-là. Puis après, faut toujours se dire que ces choses-là, quand on les maîtrise, c'est toujours plus intéressant de se dire je sais jusqu'où je peux aller et je vais choisir de faire en fonction de ce que j'ai envie. Alors que si par exemple vous savez pas faire quelque chose, bah vous pouvez pas vous dire c'est beaucoup plus difficile de savoir où s'arrêter, où commencer, combien de temps une figurine va me prendre, etc. Si vous avez aucune idée des techniques à employer, etc. quoi, si vous êtes dans l'expérimentation. Donc du coup, ben, savoir faire le plus et savoir faire le moins encore mieux. Vous voyez, donc déjà en quelques placements de lignes, etc., c'est vraiment basique, hein, ça n'importe qui peut le faire. Ah merde, il faut que je coupe Facebook. Tac, voilà. Donc en quelques placements de lining, en fait on retrouve toute notre toutes nos formes et toutes nos lumières quasiment. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus que ça. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que bah, si je place mes linings, comme j'ai quasiment pas à revenir sur mes zones de métal, je peux presque les laisser telles quelles et du coup garder en fait toutes ces nuances que j'ai mis dedans. Vous voyez, je vais pas les effacer en revenant avec notre blanc, notre machin. Donc là j'insiste vraiment sur c'est vraiment les petits points de lumière, on va dire les plus importants là, que je suis en train de placer. C'est des petits points de lumière très très simples à mettre, mais il faut savoir où les placer. Si on les place correctement, ça donne tout de suite ça développe tout de suite la figurine, elle prend de la lumière, elle prend de l'ampleur et tout ça quoi. Je vais me concentrer vraiment sur l'avant de la figurine parce que bon, si je prends l'arrière, ça va me demander encore beaucoup de temps. Alors que l'objectif, c'est quand même plus de vous expliquer que de faire la figurine. Ça d'ailleurs, c'était une légende chez Rackham, je sais pas si c'est vrai, mais on m'expliquait que les mecs, quand ils peignaient des figurines pour le studio, ils faisaient par exemple que l'avant de la figurine, enfin par rapport à la photo, donc en fait tout l'arrière apparemment n'était pas peint. Je trouve ça assez marrant puisque ça devait être assez particulier comme façon de travailler. Et du coup, ben des fois quand je fais ça, j'ai l'impression de faire un peu cette histoire-là.
que je viens travailler sur tout ce que vous allez voir la caméra, quoi. Le reste, je le fais derrière. Enfin bon, je le fais quand même. Donc ce qui est vachement bien là, avec notre blanc aussi, c'est qu'on peut reprendre la même technique qu'avant, c'est-à-dire vachement le diluer. Simplement pour rééclaircir certaines zones qu'on aurait un peu oubliées. Comme cette petite plaque d'armure en dessous là, vous voyez qui est un peu. Qui manque un peu de lumière, ben, c'est vachement bien de venir la reprendre un petit peu. Parce que mine de rien dans la continuité du truc. Voilà, donc ça commence à vraiment prendre forme. Même à la vidéo, là vous voyez bien, je pense qu'en photo vous verrez encore mieux. Je suis vraiment content du résultat. Faut, je pense, prêter assez attention. Vous, ça va peut-être. Faut toujours vous dire ça aussi, c'est que ça va peut-être plus vous choquer si vous le faites vous-même. Ce genre de transition, vous allez vous dire, ah c'est peut-être un peu trop, peut-être un peu machin. Parce que vous, vous savez qu'il y a ces couleurs-là, vous les avez repérées, vous les avez placées vous-même. Alors que quelqu'un qui n'a pas travaillé sur la figurine, ça va lui paraître plus subtil. Parce que c'est pas forcément les premières choses auxquelles il va s'attarder. Lui, il va plutôt regarder au départ la lumière, le visage. Faut pas oublier aussi qu'on va surtout mettre des points de lumière. Tac sur cette zone de visage, de sorte à ce qu'on regarde principalement le visage, le haut de la figurine, et après ben, l'œil va se balader s'il en a envie, mais on va quand même essayer de garder la focale sur la tête. Tac, et pour ça il n'y a pas de mystère, hein, c'est les points de lumière placés au bon endroit, beaucoup de contraste sur les zones qui nous intéressent. Et par exemple ici en dessous de l'œil, je viens placer un point de lumière assez important. Je reprends sans arrêt cette zone du contour de l'œil parce que c'est une zone qui reçoit énormément de contraste. Étant donné que l'œil est très sombre et bah, autour en fait c'est des zones les plus hautes donc qui reçoivent le plus clair de toutes les lumières. Voilà, je reprends aussi ici. Un peu le dessus et ma foi ça commence à avoir une bonne tête. Donc là on a 8 minutes, il me reste encore 10 minutes quand même. Je vais reprendre aussi les zones les plus basses, du coup on va continuer comme on le faisait. Vous voyez, je reprends mon bleu, donc là je me permets d'être un petit peu plus haut dans les lumières, du moins c'est l'impression que ça donne. Mais c'est pas le cas, c'est juste qu'en fait ben, j'ai laissé cette zone beaucoup plus foncée parce que ben elle nous intéresse quand même vachement moins. Par contre fait chier ce putain de Facebook là. Alors je vais reprendre encore tous ces petits points de lumière ici. Là c'est juste du rééquilibrage quoi. C'est-à-dire venir reprendre les lumières. Pour que ce soit davantage cohérent, que ça choque pas, qu'il n'y ait pas de problème et tout ça. Donc là je reprends ici derrière le boomerang. C'est vrai que c'est plus dur de peindre derrière même en vidéo là parce que avec la forme de son bras et tout ça, on a l'impression que c'est tout de suite plus. Enfin je vous ai tout de suite plus masqué en fait avec la caméra. Donc là c'est pareil, vous voyez les épaules ici, c'est des zones où on doit avoir quand même une forte lumière. Donc là je suis juste venu avec un trait et ça change tout quoi. Je vais essayer de replacer ce trait à peu près de la bonne façon. Tac. Ouais, j'insiste jusqu'à ce que le marquage de lumière soit correct. Il y a aussi au-dessus là... censé prendre quand même pas mal de lumière. Je vais revenir aussi avec des points blancs au dessus là sur les petits cylindres ici parce que c'est des sortes de cylindres qui viennent à côté de son épaule. Pour savoir où placer ces points de lumière, c'est intéressant de voilà de faire un peu de géométrie 3D.
de regarder un petit peu comment la lumière se comporte sur des objets simples comme une sphère, un cylindre, un carré, etc. Parce qu'en gros, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris à peu près les trois quarts, étant donné que généralement les objets on peut les simplifier pas mal en fait, en carré, en cylindre, etc. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et puis on assez rapidement on va se dire ah oui tiens ça ressemble quand même pas mal à un cylindre, donc je vais pouvoir placer la lumière comme sur un cylindre quoi. Parce que généralement comme encore une fois les figurines c'est assez petit, ben, ça passe bien, il n'y a pas besoin de se prendre beaucoup la tête. Je vais aussi venir démarquer cette plaque là ici dans son dos avec un avec l'arrivée de ce blanc. Je vais placer les derniers petits points. Je vais vraiment essayer de le marquer, voilà, davantage quand même. Ah merde, là j'ai un peu chié, bon c'est pas très grave. J'ai avec de l'eau et je vais pouvoir gommer le ce que j'ai raté. Donc je vais recommencer. L'idée c'est venir poser voilà ici dans cette zone là le point de lumière. Décidément, je sais pas, ça doit être la forme un peu du plastoc que je comprends pas très bien. Voilà, bon c'est quand même pas mal, même si c'est pas ouf. Ici le petit point là. Après, comme souvent les figurines, il y a un moment ça devient un peu de l'interprétation aussi sur les formes parce que c'est pas toujours évident de comprendre. Alors là, en la remettant bien en place, je vois que la lumière c'est pas encore suffisant là sur l'épaule, faut vraiment que je le marque davantage. Donc je vais venir avec vraiment mon blanc pur, quitte à venir le gommer un peu après, mais. J'ai l'impression qu'il veut vraiment pas marquer ce point de lumière là. Voilà, bon, ça commence à être pas mal. Bon, la lumière est pas idéalement placée, mais bon, ça ira pour cette fois. Voilà, donc ça commence déjà à ressembler pas mal à quelque chose. Il nous reste encore quelques minutes, il nous reste 4 minutes, donc je continue, hein. Je m'embête pas. Les petits trucs comme ça, là, les petits points. C'est vrai que c'est assez long parce que, bon, mine de rien, sur le métal, souvent, il y a des points, des machins, des écrous, des trucs comme ça. Et c'est assez longué si on veut tout faire, si on veut tout placer correctement. Je vais venir ici reprendre un peu les frontières de ce trait hein, que j'ai fait au-dessus de l'épaulette, il est pas ouf. Je vais revenir avec d'ailleurs de la chair. C'est pas assez clair. Je vais reprendre un peu de blanc. Je le dilue. Et vas-y, on attaque. Alors l'idée c'est de ne pas toucher le blanc final parce que dès qu'on va le toucher on va écraser en fait notre point de lumière. Donc il faut venir tout proche mais jamais le toucher. Sinon c'est foutu, il faut recommencer. Venir en dessous aussi parce qu'en dessous c'est une catastrophe. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ouais ça va, là vous êtes bien. Légèrement trop trop été dans le truc, mais bon voilà. Donc vous êtes en train de vraiment de voir ce que c'est. Après c'est bon là je pousse vraiment le truc à fond hein. J'en profite parce que pour une fois on a un peu de temps, mais là c'est vraiment le côté se faire chier quoi.
Encore une fois, si vous pensez que c'est trop, ne le faites pas. Si vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'aller jusque là, bah, ne poussez pas jusque là, vous faites simplement ce que vous avez envie de faire. Mais bon, c'est vrai qu'après, bah, ça paye, ça fait joli. Ça fait une belle figue. Voilà. Bon, bah, pour cette vidéo-là, on va s'arrêter là. Je pense que ce sera suffisant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous pouvez partager la vidéo, ça me ferait bien plaisir. Ça nous filerait un coup de main. Et puis, bah, si vous avez des questions ou des suggestions, eh bien, je suis toujours preneur. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Je pense que le prochain épisode, ce sera sur les cheveux de la figurine, puisqu'il ne vous reste quasiment que ça à faire avec le socle. Voilà, ciao, ciao, ciao !